Il faut avoir une information de proximité qui apporte des informations utiles aux habitants. Et aussi la diversité de l'information, la régularité et la qualité finalement de l'information qu'on leur donne. Parce que, en fait, même si on parle d'hyperlocal sur un site et que c'est de l'information en ligne, il faut traiter de l'information de manière journalistique et professionnelle. Je ne sollicite pas mes lecteurs pour m'envoyer des articles. Tout simplement pourquoi? Parce que je considère qu'écrire, et écrire bien et écrire de manière journalistique, c'est un métier. Les pièges pour n'importe quel journaliste, c'est éviter de tomber dans la facilité, éviter de s'installer dans des sujets à faible valeur ajoutée. Les perspectives d'évolution, ce serait de me renforcer d'un point de vue journalistique pour dégager plus de temps sur l'aspect commercial, et donc asseoir un modèle commercial que je considère viable. Développer des produits dérivés et me développer aussi sur d'autres arrondissements avec d'autres projets. Et là, probablement, ça peut nécessiter des investisseurs, l'implication d'investisseurs. Voilà.